mets des bottes, Romain, hein. Je fais pas le malin. Alors, on est sur la Loire, mais ça souffle un peu. Mais Romain, il a l'air serein. Bon, Mickaël. Marcelin, enchanté. Bon, ben Romain, ça va, hein. T'es sûr qu'on sort, là? Ah bah, de toute façon, les filets sont à l'eau, donc faut bien qu'on aille les chercher, hein. Mais non, ça va être sympa, hein. Tu vois, qui a dit qu'il n'y avait pas de vagues en Loire? Vous allez voir s'il n'y a pas de vagues en Loire. On peut parler de creux ou pas? Ouais, il y a des petits creux. Ouais, il y a des petits creux. Ouais, faut se tenir, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Bon, on va où, là? Ben, on va sur un premier filet. Ok. Donc, on a mis hier soir. Donc, on va relever, là. Romain, tu es pêcheur sur la Loire depuis... Merci. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie de l'eau, c'est vraiment les endroits. Hein. Ah, il fait exprès pour l'image. Ah j'y peux rien, moi. On prend un peu d'eau dans la gueule. Faut bien qu'on aille chercher le filet. C'est le baptême à la Loire, ça. Tu pêches depuis 2014, c'est ça? Ouais, depuis 2014, ici, en Loire. Ah, bientôt 10 ans, là, hein, dans bientôt un an. 10 ans, ouais. Ouais, c'est passé vite, hein. Bon. On ne voit pas le temps passer, mais c'est une passion, donc on n'a pas l'impression de travailler, hein. On s'amuse. Donc là, on est à Brémont, on est à quoi? On est à 35 minutes de Tours. Voilà, on est à peu près mi-chemin entre Tours et Saumur. Donc là, on arrive sur le premier filet qu'on va relever. Là, on a des filets, des nasses et des lignes. Donc là, c'est des filets qu'on a posés hier soir. Ok. On relève là ce matin. C'est la période de quoi là, en ce moment là? Bah là c'est les mulets, donc là c'est un mulet justement. Et on est en pleine remontée des mulets en ce moment. Et belle pêche là déjà haut. Ouais ouais, mais en ce moment on pêche plutôt pas mal, il y a de l'eau pour une fois. Donc... Ah magnifique. Donc ça c'est des mulets qui remontent de l'océan pendant l'été. Nous la taille des filets qu'on met, elle est adaptée justement pour prendre des poissons suffisamment gros. La mode de la coupe mulet, ça a un rapport avec le poisson ou pas, Romain? Non. Rien du tout? Non. Non, ça n'a pas de rapport. C'est pas parce que les cheveux, ça ressemble à un poisson qu'on a dans la nuque. Rien à voir, quoi. Pourquoi ici, il y a un filet? Alors, pourquoi là? Parce qu'on voit... Enfin, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais là, on voit que le courant est plus calme. D'accord. Grâce aux herbes qu'on a devant, en fait, ça casse un peu la vitesse du courant. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir mettre un filet. Si on le met ne serait-ce que 2 mètres plus loin, on va être beaucoup trop dans le courant, il va prendre toutes les branches, les feuilles et il prendra pas de poissons. Les poissons qu'on prend, c'est essentiellement des poissons très abondants. D'accord. On recherche pas les poissons rares, même si c'est les plus demandés. Ok. Mais nous, du genre, par exemple, bah, du genre le cendre, le brochet, l'anguille. Ok. En fait, on a la chance avec le restaurant de pouvoir travailler tous les poissons, y compris des poissons un peu plus compliqués. Et comme entre guillemets, on les paye pas, on peut se permettre de passer plus de temps à les travailler. Ok. Oui, c'est ça, parce qu'après, on verra, c'est destiné, là, ce que tu pêches pour le restaurant? Alors, soit le restaurant, soit les rillettes de poisson, enfin, les produits transformés qu'on fait en général. Que vous faites, vous? Voilà. Mais tout est pour vous? Tout est pour vous. Tu ne revends pas après, derrière? On revend à un seul restaurateur. Ok. Qui travaille avec moi depuis le début. Bon, bah, super, là. Et on travaille toutes les espèces. Tout à l'heure, tu me disais, on les relâche pas. Non, nous, le but, c'est pas de pêcher pour les relâcher. C'est de pêcher que ce qu'on a besoin, que ce qu'on est capable de travailler. D'accord. Et de derrière, de les valoriser au maximum. Ouais. Pour les saignes, ça permet de... Bah déjà, qu'ils souffrent pas, et en plus d'avoir la chair bien blanche, en fait. D'accord, ah ouais? Ouais, les filets, ils vont rester bien blancs. Hop, on est là. Petit rayon de soleil, merci Romain. C'est magnifique, hein, le temps. Ouais, sympa, quoi. On pêche sur 34 km de long. 34 de long, voilà, ouais. Donc ça fait 1000 hectares en fait. Ah ouais, 1000 hectares. C'est énorme. Et en fait, t'es pas le seul à pouvoir pêcher là-dessus, c'est quoi? Si, en professionnel, on est les seuls dessus. Vous êtes les seuls pêcheurs professionnels sur ces 34 km là. Ah ouais, ouais. Après, j'ai d'autres collègues, mais qui ont aussi leur secteur. Ici, on a chacun nos secteurs. Ça permet aussi de nous obliger, entre guillemets, à bien gérer, quoi. Tu peux pas dire, bah, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, deuxième filet. Attends, Marcelin, j'arrive, je sens que tu regardes vers moi, dire putain, il va pas m'aider. Non, je vais te laisser faire, je crois. Là, c'est quoi? Ce sera du mulet aussi? On sait jamais, hein. La beauté de ce métier, c'est que tu sais jamais ce que tu vas voir. Hier, il y avait un silure ici. Là, t'as mulet, chevenne. Ah, mais mulet. C'est ça, alors le chevenne? Ça, c'est un chevenne. Et l'autre aussi. Hein. Là, tu peux voir le mulet. Pourquoi cette passion de la pêche, Romain? Bon, c'est une passion d'enfance. Hein. Ouais.
une passion d'enfance à la base, et puis voilà, je voulais en faire mon métier. T'es vraiment, toi, t'es d'ici, de la région ? Non, je suis de Nantes. Et tu pêchais petit aussi, ouais ? Ouais, bien sûr. Alors comment, pareil, en filet ou canne à pêche ? À la canne. Et avec qui t'as appris à pêcher ? Avec mon grand-père, avec mes frangins, enfin beaucoup autodidacte. Et tu t'es dit un jour, je vais en faire mon métier ? Ouais. Oh, d'accord. Ouais, tout de suite, tu savais que... Non, enfin... ça m'a toujours intéressé. Avant, j'ai travaillé dans la recherche sur les poissons migrateurs de la Loire. Et pourquoi être arrivé à Brémont sur cette partie de la Loire ? Eh bien, parce que justement, il y avait un secteur disponible, de libre. D'accord. Et puis, je connaissais un peu l'endroit, comme j'avais fait mes études à Tours. Et tu voulais faire du poisson de rivière, parce que tu aurais pu être aussi pêcheur. Ouais, mais j'ai bossé un peu en mer. En mer aussi, ouais. Ça m'intéressait plus en rivière, en fait. D'accord. Ça n'a rien à voir. Enfin, disons que nous, ici, on a la chance de tout faire d'un bout à l'autre, de la pêche jusqu'à la transformation et même jusqu'au client final. Oui, c'est ça. Et ça, c'est super. C'est vraiment là, en circuit court de la pêche jusqu'à l'assiette, on peut pas faire mieux, je crois. Hein. Non, c'est ça. Et alors, Marcelin, t'es d'ici, c'est... Marcelin est quoi ? T'es ta seconde... Matelot. C'est Matelot, hein ? Ouais. Voilà, quoi. Ouais, tu es d'ici, Marcelin ? J'habite au Pied du Clocher, Ah, ça, j'adore. Il est au Pied du Clocher qui est là. T'habites là ? Ouais. Ah ouais, donc le matin, tu traverses le pont, là ? Vous sortez tous les jours ? Tous les jours, ouais, sauf le samedi dimanche. C'est réglementé un peu comme la chasse, la pêche ? C'est très réglementé. Très très réglementé, ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que on a des tailles de capture pour certaines espèces, on a des périodes de capture, on a des zones de réserve dans lesquelles on peut pas pêcher, on doit déclarer toutes nos captures, on doit utiliser des mailles d'une taille bien précise, enfin voilà. Mais tant mieux, que ce soit réglementé. Il faut déclarer toutes ces captures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Tout ce qu'on va ramener là, quand on va rentrer, on va tout peser et tout déclarer. Là, on va remonter quasiment jusqu'à Langer, pour nos autres filets qui sont plus hauts, quoi. Et là, tu dis que le niveau de la Loire est bien, ça a été plus bas ? Ah ouais, ça a été beaucoup plus bas. Mais ça peut être beaucoup plus haut, hein. Tu peux avoir de l'eau, 2 mètres d'eau sur les prés là-haut, là, sur les prairies. Okay, tu vois, t'imagines ? Par rapport à aujourd'hui, ça fait 4-5 mètres en plus. Hein. Donc ça, on peut ne pas percevoir ces... Non, l'île, elle a disparu complètement. Là. Ah ok, ouais. Mais ça fait un moment que c'est pas arrivé, malheureusement. En revanche, vous avez eu la sécheresse aussi cet été, là, c'était, le niveau était bas. On avait facile 1 mètre 50 d'eau en moins, peut-être. Ah même, ouais, de moins, ouais. Et après, le poisson, c'est quoi ? Ça impacte le... Le poisson, pas trop, mais nous, par contre, pour naviguer, c'est compliqué. On monte pas là. De descendre en dessous de cette île-là, c'est quasi impossible. Là, vraiment... tu dois faire gaffe au banc. Ouais. Là, t'as pas de radar. Non. C'est juste nous qui devons connaître le secteur parce que ça change tout le temps. Les bancs de sable, ils bougent en fait. Ah ouais, en plus, c'est quoi, à la vue alors ? Parfois, vous êtes obligé de sonder un peu. On sonde, et puis après, on sait lire, on appelle ça lire l'eau en fait. Pas des jours comme aujourd'hui, tu peux pas le faire, t'as du vent partout. Mais quand t'as pas de vent, tu sais que ce type de vague-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Ce type de remous, ça veut dire qu'il y a une grosse pierre, etc. Ça, c'est l'expérience. T'as déjà relevé une mobilette ou quoi ? Non. Ouais. On fait aussi des nasses. Alors les nasses, c'est quoi ? C'est comme des casiers en mer, en fait. D'accord, c'est ça. Hein. Ouais, c'est pour les anguilles, les écrevisses, la friture, etc. Ah, mais tu pêches aussi l'anguille ? Ouais, un petit peu. Ouais. C'est fermé pour l'instant. Et puis on a les lignes posées aussi. D'accord. Donc là, c'est plutôt une bonne pour... vieille ligne. Quoi. Voilà, on a une ligne avec un hameçon, mais costaud, parce que c'est pour le silure. Ok. Et là aussi, la pêche est fermée pour l'instant. Donc pour l'instant, on fait que du filet posé. Bon, très bien. On fait aussi du filet dérivant, mais vu les conditions là, j'ai envie que vous ramenez quand même, donc on va pas en faire. Attention, on repart sur le prochain filet. Oh, tranquille. Quatrième filet. Là, on est bien ou pas sur les prises Ouais. C'est vrai, c'est pas mal. Ouais. Ah oui, non, mais en ce moment, on pêche bien. Ah ouais. Écoute, le printemps, c'est la meilleure période, de toute façon. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'on a encore de l'eau, contrairement à l'été. Et il fait pas trop froid, ça commence à se réchauffer, donc c'est pas mal. Là, on voit, on a les premières sternes qui sont arrivées, donc c'est ces oiseaux-là. Là. Ah, c'est quoi ? C'est des oiseaux migrateurs, là. On appelle ça l'hirondelle de mer, en fait. Et elles vont jusqu'en Afrique, hein, et elles viennent ici pour pondre leurs œufs sur les bancs de sable de la Loire. Tu sens quand même qu'il y a un petit problème niveau climat. Bah, on voit quand même un réchauffement de l'eau. Hein. Ah, de l'eau, ouais. Ouais. L'eau, elle peut atteindre les 28 degrés, hein, quand même, l'été. Hein. Donc, ce qui n'est pas normal, pour une eau de rivière.
Cinquième filet. Vous les bouffez les cygnes ou pas? Non. Un petit rôti de cygne. C'est protégé. C'est vrai? Le cygne est protégé? Bah, comme plein d'autres oiseaux. Là en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est le balbuzard pêcheur. C'est un aigle. Ouais, ah, ça va, ouais. Pêcheur, qui est migrateur aussi. C'est un rapace quoi, il plonge. Ouais. Il passe l'hiver en Afrique et il vient. T'en as vu un? Et là, là? Là, là. Celui-là, là. Oui, il est dans les arbres, ouais. Lui, là. Okay. La façon de voler, mais c'est pas facile à savoir. Donc en fait, c'est un aigle pêcheur, il survole l'eau, et quand il y a un poisson, il plonge avec ses serres, mais il peut choper des mulets comme on a fait là. Ah, non. Si, des trucs de 60 cm. Non, mais surtout, vous enlèvez des mulets, quoi. Non, mais il y en a suffisamment du mulet. C'est magnifique. Alors, le dernier couteau que j'ai vu comme ça, c'est dans Rambon, quoi. Ah, mais c'est la jungle, ici. Là, c'est chevesne et... Comment on voit la différence? Là, il n'y a aucun chevesne. Non, là, t'as deux mulets et un aspe. Et oh, beau bébé, oh! Ouais, ça, c'est beau. Vous avez secoué le filet? Est-ce que ça vient de vous, l'expression « j'en ai rien à secouer » ? Ouais, tu vas voir. Oh, bâbord, fais gaffe, ouais. Là, t'as un Milan, là, tu vois, juste un là. Quoi, un Milan ? Milan. Il va nous plonger dessus ! Il est complètement fou ! Où des poissons dehors ? On peut venir l'été bronzé comme ça. Oui, mais il y a des nudistes là. Parfois il y a des nudistes ici, des naturistes, des nudistes. Ouais, des gens qui bronzent. Je pratique un peu le nudisme de temps en temps. Ouais. Bon, je retiens le spot. Attention. T'as connu cette émission quand même, Histoire d'Aquarelle? Oh putain, bah bien sûr. Hein? Bah oui. T'as connu? Ah, c'était quand génial. Aïe. Je te tiens, Marcelin. C'est bon. Dernier, là. Oui. Déjà? Eh, ça fait 8 heures qu'on est sur le bateau, j'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est quoi, ça? As-tu broché? Attends, laisse-moi, je vais essayer de deviner, laisse-moi. Laisse-moi. Voyons. Mulet, là. À quoi tu peux vraiment faire la différence entre mulet et chevesne? C'est une question d'écaille? Ça n'a rien à voir. Un peu là, le dessus, c'est un peu... Un peu plus gris, métallisé, le chevesne... Oh plus... putain! Ah ouais, ça pique. Il est encore vivant, putain! Attends, si, on a une bonne... Comment tu peux faire la différence? C'est que ça pique. Et là, t'as eu de la chance de pas te faire piquer. Putain, le mec, il dit ça maintenant, quoi. Là, tu vois, là, c'est très piquant. Ouais, en plus, ici, c'est quoi? Et là aussi. C'est quoi, en l'attrapant, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça a l'air après, bizarre, ça s'infecte, ça pourrit. Putain, main, tombe. Avec le même couteau, il abrège mes souffrances. Alors ça, c'est une doux, on la voit bien, là. Romain, on a relevé tous les filets, Marcelin? Ouais, on a tout. Donc là, maintenant, on rentre. On rentre, ouais. La pêche est bonne ou pas? Ouais, c'est plutôt bien. Ouais. Enfin, on va voir tout à l'heure en rentrant, c'est ça? Ouais, on va débarquer tout ça. Et là, tu comptes pas au nombre de poissons, ça va être au kilo? Ouais, nous on parle plutôt en kilos. Ouais. Plutôt en kilos, hein, d'accord. Ouais. Bah écoutez, c'est une super première pêche. Et comptez sur moi, les gars, si vous avez besoin encore de moi. On se rappellera, ouais. Pour ouais. Pas reconnaître les rapaces, ni les poissons, je suis là. C'est bon, les gars. Toujours en travers. À bâbord ou à tribord? Ah, c'est moi. Ça y est, voilà, je suis marin, et matelot de la Loire. On est en train de prendre l'eau, là, quand même, non? Un peu, ouais. Le mec il voit 20 cm d'eau, il dit ça y est, on va couler quoi. Franchement, le bureau. Ma première pêche en Loire, génial, je suis content. On va faire la débarque.
Les fameuses NAS. On vous attend là. Oh, ouais, on... Ah bon, alors, non, mais, hey. Bah, c'est pas mal, hein. Là, on va compter et peser par espèce. Par espèce. Chaque espèce. D'accord. Merde. Ok, suivant. Donc on a fait 31 kilos. Ce qui est très bien. C'est bien ? Ouais, ouais. J'ai un peu porté bonheur, je crois. On, bah, on a fait ça toute la semaine. Hein. Bon, d'accord. Le fait de le mettre dans la glace... Il va raidir. Il va raidir ? Ouais. Ok. Mm. Est-ce qu'il est mieux pour la chair, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est beaucoup mieux, ouais. Le poisson, ça travaille quand il est blanc. Ouais, ouais, faut qu'il soit raide, et là, on le découpe. Ah, mais pourquoi ? Bah, c'est beaucoup mieux. C'est la chair, en fait, elle va se détendre. Si on le faisait cuire dès maintenant, là, si on le découpe et on le fait cuire, ça va vraiment être très très dur, quoi. Les nerfs vont se contracter et c'est pas là que c'est le meilleur. Ah ouais, parce que tu fais une pêche non professionnelle, tu dis ben, j'attrape mon poisson, tu n'as pas envie de le manger dans l'air. C'est une erreur, c'est une erreur. Ah ouais, ouais, faut le laisser au moins une nuit au réfrigérateur. D'accord. Ouais. Ouais. Après, nous, le poisson qu'on achète en poissonnerie ou autre, il a déjà du temps de repos, entre guillemets. Okay. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Mais vraiment du poisson frais, frais. Nous, ils étaient vivants, là, il y a quelques heures. Vaut mieux les laisser, ouais, au moins une nuit au réfrigérateur. Un peu une maturation, un peu comme sur la viande, mais beaucoup moins. Ok, d'accord. Ouais. Il y a un dicton ici, on dit qu'il faut que ce soit raide comme une bite de tolard. T'es pas obligé de le garder, ça. Oh, tu crois que je vais pas le garder, ça. Eh, tout à l'heure j'étais là, j'étais sur l'eau. Et maintenant on va découvrir le restaurant où ils servent le poisson qu'ils ont pêché. Alors, pour l'instant on est encore hors saison, ils ouvrent dans une semaine. C'est canon. J'adore, j'adore. Il y a quelqu'un ? Ouais. Il est là. Ah, oh, et on est un peu plus au sec là. Là, c'est un peu plus calme, ouais. C'est un peu plus saucé. Et regarde, oh, et on triche pas, regarde le pantalon. J'en ai pris plein le cul. Tu vas te souvenir de nous. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, ouais, c'est bien. J'en ai plein. Là, c'est la partie boutique. On a nos rillettes de poisson, nos soupes de poisson, enfin tout ce qu'on fait chez nous. Il est pas là aujourd'hui, il y a Ambroise qui est avec toi. Ouais, qui est chef du restaurant. D'accord. Voilà, on travaille ensemble depuis le début, depuis bah, ça va faire 7 ans. 8 ans même. 8 ans, hein. Et toi, t'as lancé ça tout seul ou avec Ambroise Non, tout seul. Enfin, moi, je me suis installé comme pêcheur tout seul en 2014. D'accord. Ambroise, il est arrivé en 2016. Ok. Et c'est voilà. Un pote à toi, Ambroise, comment vous connaissez? Ouais. On s'est connus. En fait, il est venu faire un stage chez un producteur. On se connaissait pas. Ouais. Lui, dans son cursus de cuisinier, il fallait qu'il aille chez un producteur. Et comme il aime la pêche, il est venu ici. Et puis moi, je pensais déjà à faire un petit resto. Ok. Mais n'étant pas cuisinier... C'est quoi ici, à la base ? C'est un ancien hôtel de mariniers de Loire, en fait. Ceux qui faisaient la remontée de la Loire. Non. Pour aller sur Orléans, ensuite Paris. Pour les capitaines, uniquement. Comment on joue aussi ? Alors, il y a soit en terrasse, ouais. Et autrement, on a des salles à l'étage où là, on voit vraiment mieux la Loire, parce qu'on est encore plus haut. On va aller voir ça. Je suis, vas-y. J'adore. Qui remontait la Loire avec ce type de bateau là. Ah donc il s'arrêtait là. Il s'arrêtait là. Et le capitaine venait dormir là. Voilà. Accompagné ou non. Parfois. Ce qui se passait à Brémont, voilà. Restait à Brémont quoi. Ah yeah. Alors ça c'était une chambre. Voilà. Ah mais c'est des grandes chambres. Ouais. Il y avait combien de chambres avec elle, tu sais ? Bah pour notre partie à nous, il y en avait donc 4. Ouais. Et en fait, c'était connecté avec la maison des voisins. Où là c'était pas trop pour dormir. Il y avait des chambres aussi, mais plus petites. C'est vrai ? Non, il y avait un bordel à côté ? Véridique. C'est vrai ? Véridique. Ah ouais ? Ouais. Le bordel de Brémont, quoi. Ouais, ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc là, c'est moi, je réserve, quand vous ouvrez ici, d'avril à... D'avril au 31 décembre. Oh, ah, 31, quelle belle saison quand même. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et vachement bien ici, c'est qu'on a vu sur la Loire. En plus, comme on est surélevé, on surplombe vraiment. Et tu vois, tu as nos bateaux juste devant. Et le soir, des fois, les gens, ils nous voient pêcher pendant qu'ils sont en train de manger. C'est super. Là, surtout, moi, j'ai vu une petite pièce encore à côté. Là, c'est VIP quand tu viens avec ton plus un. Pour les demandes en mariage, les choses comme ça. Oh,
Oh, c'est un peu notre pièce VIP là. Quelle est ta définition du terroir à toi? Pour moi, c'est de valoriser ce que tu as là, tu vois. On peut le dire vraiment là, juste ouais, ouais. chez toi. Et, mais tout, c'est-à-dire pas uniquement les poissons renommés, vraiment tous les poissons, y compris les plus méconnus, mais au final, quand tu cuisines bien, bien souvent, ils plaisent beaucoup. Et là, et quel terroir ici, quoi? Ouais, ici, on est gâtés. Ah, c'est vrai, hein. On a la Loire, on a des vignobles, on a des vergers, beaucoup de maraîchage. Pour faire un resto, c'était un peu l'endroit idéal. C'est super vrai, d'ailleurs, des vignobles, il y a des vignerons, et je vais y aller, moi. Je vais voir le vigneron maintenant, Geoffrey de Noël. Ben, merci beaucoup, Romain. Ben, merci à vous. Okay.